Vous êtes sur RTL. Et sur Auchan.fr. RTL Soir, Thomas Soto. À 19h10 pour la suite du journal avec vous, Céline Landreau, et on va parler des lycéens. La moitié des lycéens franciliens aura un cartable plus léger cette année. Fini pour la pile de manuels scolaires dans le sac à dos, car la région a décidé de miser sur les tablettes et les ordinateurs, Julien Fautra. Oui, chaque lycée a pu choisir garder les livres manuels à l'ancienne ou alors 100% numérique. 330 lycées privés et publics vont changer. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, va donc distribuer 70 000 tablettes et ordinateurs. Il y a un grand nombre de lycées qui ont choisi de s'engager dans le tout numérique, notamment les lycées dans lesquels les enseignants sont plus jeunes, les équipes pédagogiques plus jeunes, et je crois que ça correspond au standard mondial. J'ajoute qu'il y a beaucoup de manuels qui restaient dans le fond des cartables et qui se contentaient uniquement de faire mal au dos des élèves et qui n'étaient pas souvent ouverts. Les écrans font donc leur apparition en classe. Pour les plus dissipés, est-ce que ce sera l'occasion d'aller surfer sur des sites qui n'ont rien à voir avec le cours ? Non, répond le créateur de ces tablettes, Jean-Yves Hepp. Les profs ont la main, en fait, sur ce qui se passe dans la tablette. C'est eux qui ont la possibilité de dire voilà ce à quoi on a accès, de distribuer du cours, de distribuer des images, des vidéos. Le prof peut avoir l'accès à l'Internet et dire on n'est pas sur Internet. Et puis ce qui disparaît aussi, Céline et Thomas, je sais que vous êtes des pros, ce sont ces heures le soir en début d'année à essayer de courir le manuel, le tourner dans tous les sens pour que ça tienne bien avec du film plastique. Et ça, franchement, ça va pas nous manquer. Moi, c'est ma maman qui le faisait, même quand j'étais grand, parce que j'ai jamais réussi. Et moi, c'était ma maman aussi. C'est comme les papiers cadeaux. Un chiffre qui a de quoi inquiéter maintenant. Près d'un ado sur cinq est aujourd'hui en surpoids. 18% oui, des élèves de 3e, très exactement Thomas, selon l'étude de l'Adresse rendue publique aujourd'hui. 5% sont même obèses. Le surpoids, visible chez les jeunes, dans la rue, mais bien caché encore dans les magazines, les publicités ou sur les podiums. Malgré ces déclarations de bonnes intentions, le milieu de la mode a bien du mal à s'adapter, Marion Ferrer. Et en voulant bien faire, il crée souvent le malaise. Récemment, un mannequin s'est félicité d'être embauché par la marque de prêt-à-porter Zara. La jeune femme fait du 40-42. D'après l'Institut français du textile et de l'habillement, c'est le cas pour plus de 40% des Françaises. Branle-bas de combat donc sur le web et colère d'Anouche, militante du mouvement Gras Politique. On en est à penser qu'une taille 40, c'est une grande taille, c'est grave. C'est même pas la taille moyenne des femmes en France. Ça veut dire que plus de la moitié des femmes en France sont grosses. Non, c'est pas vrai. C'est très mal connaître le sujet et c'est encore amené à une norme inatteignable. Alors, depuis peu seulement, on voit des modèles afficher des ventres légèrement rebondis et quelques vergetures. Selon Jean-François Amadieu, sociologue, les marques ont intérêt à réagir rapidement. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la publicité dans l'évolution des mentalités. Cette pression va s'exercer sur les entreprises qui, jusqu'à présent, on va parler clair, se foutaient éperdument de cette question des apparences physiques. À partir du moment où vous avez plusieurs annonceurs qui ont décidé, disons, de montrer tout type de corps, des femmes un peu plus rondes, les autres sont obligés de suivre. Quant à Zara, aucun commentaire, mais on sait que la marque souhaite à l'avenir travailler davantage avec des mannequins aux formes plus affirmées. Marion Ferrer pour RTL. Elle est sortie du tatami en pleurs, mais c'était des pleurs de joie. La judoka Clarisse Agbeginiou est la première française quadruple championne du monde. 4 fois, s'il vous plaît. Avec ses tripes, comme elle dit. La tricolore de 26 ans a décroché sa 4e couronne mondiale cet après-midi à Tokyo. Et après un combat de plus de 11 minutes face à la japonaise Miku Tashiro, de bon augure, évidemment, à un an des Jeux Olympiques qui ont lieu, eux aussi, dans la capitale japonaise. Le sport, c'est aussi la Ligue 1 ce soir. Avant Nice-Marseille, à 21h, Lille reçoit Saint-Etienne et Hervé Veugue. Un petit quart d'heure de jeu déjà et pas de but pour l'instant. Non, 0-0 effectivement après 14 minutes exactement de jeu. La première occasion était lilloise à la première minute avec Bamba, mais Ruffier s'est interposé. Depuis, eh bien, c'est un petit peu lancinant. On n'arrive pas à trouver vraiment de décalage, vraiment d'occasion franche d'un côté comme de l'autre afin de se rapprocher de Rennes, le leader du championnat, puisqu'on le rappelle, Saint-Etienne contre 4 points au championnat et Lille 3 points. Pour l'instant, allez, c'est mitigé. 0-0 entre les deux équipes. On traduit Hervé s'ennuie au stade. Hervé, oui, vous nous rappelez évidemment dès qu'il y a un but. Hein, l'antenne vous est ouverte, vous pas êtes de chez problème, vous. Thomas. Merci pas de à tout à l'heure et merci Céline Landreau. La météo ?
Oui, Thomas. C'est avec vous, Peggy. Exactement. Il y aura plus de soleil sur l'ensemble du pays. Oui, alors même si c'est vrai, on va commencer la journée avec des nuages et quelques averses sur l'extrême nord-est. Ce sera un petit peu plus nuageux également sur le nord-ouest, entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et la frontière belge. Quelques grisailles matinales dans l'extrême sud-est, mais je vous rassure, tout ça va se dissiper très vite pour laisser place à de très belles éclaircies sur la majeure partie du pays l'après-midi. Il y aura malgré tout quand même encore des orages en montagne sur tous les reliefs, Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Vosges, et ça pourrait déborder en plaine en Alsace. Côté température, eh bien, elles vont baisser par endroits, mais elles resteront souvent au-dessus des normales. 21 à Cherbourg, 24 à La Rochelle, 25 à Lille, 26 à Paris et Biarritz, 28 à Besançon, 30 à Grenoble, 33 à Marseille, jusqu'à 35 à Nîmes. Merci beaucoup, Peggy. Fallait l'inviter. Bonsoir, rebonsoir Isabelle Choquet. Bonsoir. C'est votre portrait du jour et ce soir, il fallait l'inviter. Diams. Qu'on n'avait ni vu ni entendu depuis 7 ans et qui réapparaît aujourd'hui dans une interview à un média saoudien. My name is Melanie Georgiades. Before Islam, I was famous in the name of Diams. Oui, Diams, c'était avant et c'était ça. C'est moi qui fais la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. I will never say, oh no, it's not me. No, it was me. But now I'm like this. Elle est comme ça, voilée, convertie à l'islam depuis 2008, retraitée du rap depuis 2009. Elle n'avait pas 30 ans. C'est qu'elle a bien failli entrer dans le club des 27. Amy Winehouse, Kurt Cobain, tous ces artistes qui se sont suicidés à 27 ans en pleine gloire. Oui, parce qu'il faut se rappeler que Diams, dans les années 2000, c'est une vraie star. Lancée par Jamel Debbouze. En 2006, elle est la plus grosse vendeuse de disques en France. L'album Dans ma bulle est disque de diamant, du diamant pour Diams, bien sûr. Pseudo qu'elle a choisi, car le diamant ne peut être brisé que par un autre diamant. Elle paraît indestructible, boule d'énergie qui rappe sa rage comme on respire, mais elle est fissurée de l'intérieur, ce sont ses mots. Première tentative de suicide à 15 ans, à 17 elle est victime d'un petit ami violent, harceleur, elle mettra des années à perdre ses réflexes de femme battue, c'est tout ça qu'elle met en musique. Et le succès va lui être fatal. Elle craque aux Victoires de la Musique en 2008. C'est peut-être pour moi mes dernières Victoires de la Musique. Elle est en pleine dépression, elle sort d'hôpital psy, diagnostiquée bipolaire, bourrée de cachets. Face à un public debout, elle fond en larmes, elle le raconte dans 7 à 8 en 2012. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort, il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Et j'ai envie de crier dans le micro, arrêtez, arrêtez d'applaudir. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est elle finalement qui arrête, avec un dernier album comme un testament. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. S'il était mon la foi a guéri ses blessures. Elle, arrivée de Chypre à 3 ans, élevée par une mère divorcée, elle a choisi l'islam et puis ce voile qui fait scandale à l'époque. Elle jure qu'on ne lui impose rien, comme si c'était mon genre. Deux mariages, deux enfants, Mariam et Abraham. Depuis 2 ans, elle vit en Arabie Saoudite. Le rap, c'est fini pour toujours. Je ne suis plus en colère, dit-elle. Diams, désormais, est génération bénie, oui, oui. Foulette, foulette chez les mots. Comme un coup de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Allez, on va quand même s'arrêter dans un instant. Ils arrivent en en dansant dans le studio. Ce sont les polémistes dont refait le monde sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Et on va pas le refaire tout seul, le monde. On est bien accompagné ce soir, chers auditeurs, puisqu'avec nous, il y a Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice. Bonsoir Rokhaya. Bonsoir. Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste à France 2. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Serge Papin, ancien président de Système U. Bonsoir Serge et bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas. Et André Berkoff, c'est le copain de Donald Trump, en tout cas celui qui l'a rencontré, qui l'a interviewé, qui est journaliste. Bonsoir André et bienvenue. Bonsoir. Il n'y a plus de respect en politique. On va commencer avec ce thème qui embrasse un peu l'actualité de manière globale. On va parler évidemment de Boris Johnson, de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de ce qui se passe en Italie, parce que ça se passe au moment où on se parle en ce moment. Mais d'abord, peut-être l'homme du jour, c'est Boris Johnson, qui a donc décidé d'aller voir la reine pour lui demander de suspendre le Parlement. Du coup, il n'y aura pas de rentrée parlementaire le 3 septembre, la semaine prochaine, comme prévu. Qu'est-ce qu'il fait, là, Boris Johnson ? À quoi il joue ? Il joue à Boris Johnson.
Je veux dire par là que il faut pas oublier quand même que les Anglais ont voté pour le Brexit en majorité. Mmh. Et ce qu'il a dit, il va essayer d'appliquer ça, quoi. Alors après, les histoires de Parlement, il y a des histoires politiciennes qui jouent par rapport à dissolution, notre dissolution, etc. Mais lui... Il verrouille un petit peu la démocratie. Mmh. C'est comme si on disait, la semaine prochaine, il y a la rentrée parlementaire à l'Assemblée à Paris, mais non, finalement, on va rester fermé jusqu'à la fin octobre pour Gaël Diallo. Tout évident, ce qu'il essaie de faire, c'est de réduire la fenêtre d'expression des parlementaires en les acculant et effectivement en leur rendant 4 semaines de possibilité de s'exprimer par rapport aux conditions de sortie de l'Union européenne. Avec cette date limite du 31 octobre. Absolument. C'est dans cette période-là. Enlever le mois de septembre, ça enlève la moitié du temps qui aurait pu notamment permettre aux députés, aux parlementaires de l'opposition d'orienter la tonalité de la sortie. Donc effectivement, ça a été très très mal vécu par les parlementaires, mais il faut rappeler aussi qu'il utilise des évolutions constitutionnelles qui ont été entérinées par son prédécesseur Cameron. Donc les parlementaires sont mécontents, mais peut-être qu'ils auraient dû se préoccuper de leurs droits avant de faire évoluer la constitution. Alors oui, le paradoxe, c'est qu'effectivement il a le droit, voilà. Parce que normalement il peut y avoir cette espèce de vacances, mais comme il se croit tout permis d'une façon générale, même si en général on dit toujours que la Grande-Bretagne c'est l'espèce de parangon de démocratie, que c'est là que ça a été inventé, alors à côté de ça il prend un risque, hein, parce qu'il n'est pas absolument certain qu'il réussisse à s'en sortir comme ça, qu'il n'y ait pas une coalition contre lui, même si c'est la carpe et le lapin et des gens qui de toute façon on peut retrouver Corbyn, des conservateurs, des gens qui ne sont pas du tout d'accord, mais il prend quand même un risque avec ça. Le risque éventuellement de se faire renverser, parce qu'il y a une petite fenêtre de tir pour le renverser, et le risque, le souhaite-t-il ou ne le souhaite-t-il pas, de provoquer des nouvelles législatives. Alors moi, je ne pense rien, mais j'ai pris des avis de gens qui connaissent mieux que moi, parce que moi, je sais plus la politique aérie française qu'anglaise, mais qu'il y a quand même un risque, ce qu'on appelle un coup de poker, c'est-à-dire qu'en gros, il puisse se jouer ça et éventuellement des législatives anticipées. Serge Papin. Oui. En fait, il fait le choix de la radicalité. Voire de la brutalité. Ça devient un mode de gouvernance. Alors, moi, je trouve qu'en ce qui concerne l'Europe, je suis pas sûr qu'il soit du bon côté du stylo. Et il donne une légitimité. Vous avez expliqué la métaphore. Parce qu'il donne une légitimité à l'Europe, elle aussi, d'être radicale. Et moi, je crois qu'il faut justement ne rien céder aux Anglais, et notamment à Boris Johnson, qui veut aller jusqu'au bout, on verra bien. Je pense que les Anglais ont plus besoin de l'Europe que le contraire. Et donc, s'il fait ce choix-là, eh bien, il faudra qu'il l'assume, mais il va engager tout son peuple dans un processus qui peut aller avec beaucoup d'inconvénients pour eux. Alors, ceux qui parlent le mieux des Anglais, ce sont les Anglais. On est en ligne avec Robert Tombs, historien britannique, qui est à Cambridge. Bonsoir, Monsieur Tombs. Bonsoir. Et qu'est-ce qui fait votre Premier ministre, là? Il débloque ou quoi? Non, je ne pense pas. C'est un homme inhabituel, ça c'est sûr. C'est un homme de force. C'est quelqu'un qui amuse beaucoup les Français et les Européens. Mais vous, il vous amuse ou il vous inquiète? Ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un homme beaucoup plus sérieux qu'il n'en a l'air. Mais ce qui est derrière cette histoire, c'est qu'il y a deux sortes de démocraties qui sont, dans un sens, qui essaient de fonctionner au sein de la même constitution. La démocratie parlementaire traditionnelle et la démocratie directe du référendum. Alors, comment est-ce qu'on peut aligner les deux, ou lequel des deux va triompher? Je pense de ma part qu'il faut que la démocratie directe, la souveraineté du peuple, doit gagner cette lutte avec la démocratie parlementaire qui est après tout le choix d'une minorité d'une élite. C'est quand même une vision très constitutionnelle et très comme il faut des choses, mais là quand même André Bercoff il essaie de bousculer la reine. Attendez, il a raison de bousculer la reine, il faut arrêter. Et puis c'est pas à nous Français de donner des leçons de démocratie. Ça me fait hurler de rire quand la France commence à donner des leçons. Je rappelle donc qu'en 2005, quand il y a eu le traité Constitution européenne, 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. Et qu'est-ce qu'ont fait nos gouvernements, nos bonnes élites? Ils se sont assis dessus et ils ont fait le traité de Lisbonne. Alors, il faut d'abord balayer devant notre porte en ce qui concerne la démocratie. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais l'histoire, c'est pas simplement d'être pour ou contre le Brexit et respecter le vote des gens à le référendum, c'est simplement si on l'accompagne, le Brexit. Je termine là-dessus. Il n'est pas question, si. Il y a eu un vote populaire des Britanniques. Okay. Alors, on peut dissoudre le peuple, quoi.
comme demandait Bertolt Brecht. Oui. Hein. Bon, et voilà. Et simplement, lui, il va faire en sorte d'aller jouer. Alors, juste Serge Papin, quand vous dites que je ne sais pas qui a à perdre, si l'Europe était vraiment unie, on aurait pu parler comme mais ça. Il est en train d'unir l'Europe, peut-être, d'une certaine manière, ou une autre Europe. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est le contrat, c'est le contrat de divorce là, qui discute. Non, c'est l'Europe allemande. Simplement, il ne s'agit pas de refaire la même erreur, vous le disiez tout à l'heure, André Berkoff. Oui. Effectivement, de s'asseoir sur la décision des citoyens. Chose qu'on n'a pas fini de payer parce que 10 ans, 15 ans après, on se fait encore, la population, y compris les Gilets jaunes, c'est parce qu'on n'a pas respecté la volonté populaire. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur la volonté de Brexit, il s'agit de l'accompagner. Et d'ailleurs, il y a bien des gens actuellement qui critiquent Boris Johnson, qui considèrent que le hard Brexit, c'est-à-dire le truc qui n'est pas prêt. C'est dangereux pour tout le monde, y compris pour les Britanniques. Il y a quand même deux choses. Il y a quand même le Brexit, qui a été voté par les Britanniques. C'est leur volonté, c'est la volonté du peuple britannique. Et puis, il y a des règles à respecter avec un Parlement, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Ok, c'est très vieux monde de dire ça. Le Brexit est issu de la démocratie et du vote populaire, mais les parlementaires aussi. Donc, ils ont aussi leur mot à lire. Ils ont aussi vocation à se prononcer. On les a mis entre parenthèses pendant 4 semaines. Et c'est vrai que. On leur a dit repasser quand tout sera réglé. Oui, le Royaume-Uni, c'est pas un régime présidentiel. Là, il se comporte comme un président de la 5e République. Tous les médias étaient anti-Brexit, tout l'establishment était anti-Brexit. Faut quand même pas l'oublier, ça. Bon, pas l'oublier, mais on va surtout en parler après une courte page de pub. À tout de suite. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir. Thomas Soto. Et nous avons encore une demi-heure à passer ensemble sur RTL. On parlait avec les polémistes de ce soir, Rokhaya Diallo, Nathalie Saint-Cricq, Serge Papin et André Berkoff, de Boris Johnson et de sa décision de museler le Parlement britannique pendant plusieurs semaines. Il y a une réaction de Donald Trump qui a fait l'éloge du Premier ministre britannique après sa décision de suspendre ce Parlement. Alors, si on veut aller un peu dans l'excès, on peut rappeler les propos du ministre de l'Éducation brésilien qui traite Emmanuel Macron de crétin. Ça, c'était il y a 48 heures. Il y a eu les insultes de Jair Bolsonaro sur Brigitte Macron, Trump pareil en juillet 2019 qui parlait de la stupidité d'Emmanuel Macron. On a l'impression que ça devient un mode de gouvernance. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut y accorder de l'importance? Comment on doit réagir par rapport à tout ça? Rokhaya Diallo. Ce qui est certain, c'est que ces hommes politiques ont saisi l'air du temps. On est à une époque où les gens où l'authenticité est à la mode. C'est-à-dire que l'idée de la quête de l'authenticité, de la présentation d'une parole qui peut paraître brute, voire brutale, de ne pas s'exprimer avec le filtre de la communication politique est très séduisante chez les électeurs. En l'occurrence, je pense que c'est une authenticité qui est fabriquée, mais en tout cas, elle est très vendeuse. Et ça, c'est de la stratégie, c'est de la communication, de la construction d'image. Après, derrière cette pseudo-authenticité, il y a une brutalité qui est réelle, une brutalité politique qui est réelle chez Donald Trump dans son traitement. Parce que c'est pas que de la com pour le coup. C'est ça, c'est qu'il y a de la parole. D'actes. Exactement. Chez Donald Trump, il y a ces familles immigrées qui ont été divisées en fait. Ces enfants qui ont été séparés de leurs parents. La brutalité verbale à l'égard des femmes, à l'égard de certaines élus du Congrès. Bolsonaro, la brutalité à l'égard avant même d'être élu, des homosexuels, à l'égard des femmes également. On se souvient quand même qu'il avait dit qu'une de ses collègues étaient trop laides pour qu'ils puissent envisager de la violer. Enfin, on est quand même dans un registre d'une violence absolue. Si on s'y tourne, est-ce qu'ils ont raison pour appliquer leur programme? Est-ce que c'est la méthode aujourd'hui pour gouverner? Parce qu'on a longtemps dit que les politiques, ils avaient des programmes qu'ils n'appliquaient jamais. Ouais, là, alors, au moins, on peut dire. C'est-à-dire qu'on a eu ras-le-bol. Que les gens ont eu ras-le-bol de gens empaillés, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas comme eux. Ça, c'est possible. Donc, il y a une certaine rupture du politiquement correct qui n'est peut-être nécessaire ou peut-être souhaitable, c'est sûr. Le problème étant quand même qu'un homme politique ou un représentant d'une nation, c'est quand même quelqu'un qui est censé donner un minimum l'exemple. Alors je veux bien que sous la Troisième République, les mecs se sont envoyés des noms épouvantables, Clémenceau hurlait sous tout le monde, traitait les autres de crétins. Très bien, mais ça se faisait dans un cercle restreint. Là maintenant, avec Twitter, ça se fait partout. Et si on peut se permet quand on est un dirigeant de dire des horreurs pareilles, eh bien ça débouchera dans les cours de récré. Vous parliez tout à l'heure de harcèlement scolaire avec une jeune femme qui une jeune fille qui se fait traiter de grosse vache. Donc il y a pas de raison que ce genre de choses ne descendent pas, et comme le poisson pourrit par la tête, de façon générale, que ça descende. Oui. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça en regardant Bertrand? Parce que je sais qu'il va défendre le parler de Trump, Franchement, alors moi je suis halluciné par ses arguments. Halluciné par ses arguments, le poisson pourri par la tête, comme si on avait attendu les incivilités et les filles qui se font violer dans les câbles. Non, mais c'est donné un mauvais exemple. Arrêtez. Moi je vais vous dire un truc. Je préfère un brutal qui marche à une élite qui ne fait rien, qui se met dans son coin. Non, mais je
je parle pas de vous. Non, mais je parle pas de moi non plus. Si on dit que les homosexuels sont des tarés et que les noirs sont des altérés, mais non, mais attendez, mais oui, mais qui parle les homophobes? Pas besoin de se faire avorter. Qui parle les homophobes? Qui les jette du sixième étage? Deuxièmement, qui on dit pourquoi c'est drôle, pourquoi vous parlez de Bolsonaro et compagnie, et Dieu sait si d'une brute, pourquoi vous plaît pas de Macron qui traite Orban de menteur, qui traite machin de raciste, etc. Pourquoi c'est toujours les autres et pourquoi nos propres élus, nos bons petits élus, ils sont quand même pas exactement dans le même lexique. Quoi? Ils sont pas exactement dans le même lexique. Quand mais même, si, hein. C'est le même lexique. On a arrêté avec l'hypocrisie, c'est embêtant. Ce sont des brutes, mais je préfère. Mais attendez, faut pas raconter des histoires. Moi, je préfère très sincèrement des gens, même s'ils sont des brutes, propres, pas peut-être propres sur eux, mais qui font des choses. Pour vous, c'est une bonne méthode. Trump a fait des choses. En tout cas, ce n'est pas la méthode qui m'intéresse, ce sont les résultats. Serge Papin. Et les résultats, oui, moi, je suis assez d'accord avec Rocalé aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un changement d'époque et que nos élites n'ont pas été formées pour un dialogue beaucoup plus authentique, moins langue de bois, etc. Ils sont fait prendre de vitesse par des politiques provocateurs. Et comme les réseaux sociaux sont les parangons des insultes, puisqu'évidemment, on ne rend jamais de compte. Mais pas que ça, ce sont aussi des moyens de communication. Oui, mais pas que. Tout le monde a dit, après le G7, bon, bah maintenant, on va surveiller le Twitter de Trump. Oui, voilà. Mais quand même, on peut dire, et sur les réseaux sociaux, vous pouvez, il n'y a pas de confrontation. Vous pouvez insulter qui vous voulez. C'est même fait pour ça. Hein. C'est même fait pour ça, voilà. Et donc, ça veut dire, vous parliez de Clémenceau, Nathalie, il y en a plein qui auraient été dans le pré. Régler ça à l'époque. Tant que ça se faisait. Mais vous savez ce qu'ils disaient au Parlement? Vous savez ce qu'il disait au Parlement. Entre Joffre et Lyoté, quand Joffre au Parlement, et c'était pas sur celle-là Twitter, j'aurais pas osé, ça, hein. Il disait, eh ben moi je le dis, et ben il disait, moi j'ai des couilles au cul, il disait, oui, mais ce ne sont jamais les mêmes. Et voilà, non, c'est le contraire. Justement. Ça se finissait aussi, ça pouvait se finir dans le pré à l'époque. Oui, hein. Mais je veux dire qu'il faut arrêter cette hypocrisie qui est la même. Pas tous en même temps. Sur eux, ils étaient bien élevés. André, je pense qu'il y a probablement à tirer des leçons de ça, où il faut que les élites qui sont démocrates, etc., et un langage plus de vérité, quitte un peu la langue de bois, si on peut dire. Mais Tapie, il n'avait pas la langue de bois, et c'était pas pour autant forcément. Il faut revenir. Moi, je trouve qu'il faut revenir à du respect. Sinon, c'est pas possible. Je suis assez d'accord au niveau de l'exemplarité. Et j'aime bien l'expression le poisson bourri par la tête. Ça va donner des mauvais signes à tout le monde. Et le premier but du match entre Lille et Saint-Étienne, et c'est le LOSC. C'est le LOSC, Thomas, qui ouvre le score grâce à un but de son attaquant nigérien de 20 ans recruté cet été aussi même sur un beau travail sur le côté gauche. Eh bien, il a bénéficié d'une petite erreur de placement stéphanoise pour récupérer le ballon. Et du pied gauche, il a battu Ruffier et Lille mène 1-0 alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Merci, Arrivoc, c'était parfait ce but pour clore ce premier chapitre dont refait le monde. On se retrouve dans un instant sur RTL et on va parler de Yann Moix. RTL Soir, on refait le monde. Thomas Soto. En 12 mois. Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. À 19h40, on refait le monde avec Rokhaya Diallo, Nathalie Saint-Cricq, Serge Papin et André Bercoff. Et on va parler donc de Yann Moix. Alors on rappelle les épisodes précédents. Il a écrit un livre dans lequel il se dit victime de maltraitance. Son frère lui répond, il dit c'est toi le bourreau, c'est toi qui m'as maltraité. Tout ça est étalé largement sur la place publique. Et puis l'affaire dans l'affaire, c'est que L'Express révèle que Yann Moix, quand il avait 21 ans, a dessiné des caricatures antisémites et rédigé des textes négationnistes. Il dit, Yann Moix, j'assume, j'endosse tout, mais je ne suis pas antisémite. Aujourd'hui, l'homme que je suis en a honte. Aujourd'hui, alors que ses dessins, ses textes sont ressortis, je me sens libre, libéré de cette épée de Damoclès. Faut-il croire Yann Moix? Est-ce que cette affaire prend trop d'importance? Quelle est votre réaction par rapport à ça, Rokhaya Diallo? Moi, je pense que ça, voilà, la rédemption a une valeur et que quand on regrette des propos qu'on a tenus dans sa jeunesse, il n'y a pas de raison de ne pas le croire à partir du moment où il ne récidive pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est plutôt la différence de traitement que peuvent avoir certaines personnes par rapport à d'autres. Il y a quand même des gens qui, dans l'espace médiatique, ont été mis au banc de tout pour moins que ça. Moi, je repense par exemple à cette jeune femme qui n'était pas considérée comme une intellectuelle, qui était juste une chanteuse, qui participait à un concours de télévision qui s'appelle Ménal Ebtissem, qui avait produit aussi des écrits de jeunesse
qui était autrement moins grave, hein, c'était pas du négationnisme, c'était des propos complotistes qui caractérisent en plus sa génération, qui a vu sa carrière... C'est une candidate de The Voice. Voilà, une candidate de The Voice sur TF1, et ben sa carrière n'a même pas commencé, et aujourd'hui encore, elle ne trouve pas de maison de disque pour la signer. Donc moi, quand je vois... Vous dites il faut pardonner, mais il faut pardonner tout le monde. Il faut laisser une chance à tout le monde. Au même degré, et qu'effectivement, oui, si on a tenu des propos problématiques quand on était jeune, et je pense que moi, honnêtement, si j'avais eu Twitter quand j'avais 15 ans, mais je pense que je serais en prison, quoi. Parce que quand on est ado, on dit n'importe quoi, et on a tendance à poster des choses qui nous passent par la tête sans forcément réfléchir aux conséquences possibles. Et Yann Moix, c'est différent, c'était pas Twitter, c'est des écrits. Je parle de Ménel et Tissem. Donc, oui, je pense que ça fait longtemps, mais je pense que je vois, moi, quand même, une forme. Quand je vois certaines personnes qui expliquent qu'il avait souffert dans sa jeunesse, qu'aujourd'hui il regrette, etc., et qui ont pu avoir des propos beaucoup plus durs à l'égard d'autres personnes, je m'interroge sur la capacité de pardonner tout le monde. Moi, j'aurais tendance à dire la même chose que vous, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de pardonner ni à l'un ni à l'autre. Et je ne verrai pas pourquoi. Parce qu'il y a un problème de Yann Moix avec les médias. C'est-à-dire Yann Moix donne son avis, fait partie d'un certain nombre d'émissions, va dire le bon, le vrai, le droit à la télévision. Il a un rôle de chroniqueur moralisateur. Alors, qu'il ait dit des horreurs, écrit des horreurs, dessiné des horreurs, très bien. Et encore, on le sait que par accro, effectivement, même traitement pour Ménel, thèse complotiste au moment des attentats de Nice, disant qu'ils n'ont pas existé. Mais il n'y a aucune raison, effectivement, elle, de la stigmatiser, comme on dit, et lui, de tout lui pardonner. Ce qu'il a fait, alors même s'il a tort, ou même si maintenant il s'excuse, tout ça est absolument sordide, d'ailleurs, ce déballage depuis le début. Alors, je veux bien qu'on nous dise, j'ai lu un papier tout à l'heure disant que c'était Abel et Caïn avec son frère, ou que c'était les Atrides. Même si on essaie de colorer ça de tragédie grecque, tout ça, c'est simplement un peu super bas de gamme, et je pense qu'il devrait écrire, avec le talent qu'il a dans son coin, écrire un certain nombre de choses, mais ça ne doit pas devenir une référence, notamment à la télé. Oui, moi je voudrais dire que, effectivement, je rejoins Nathalie là-dessus. Je veux dire que quand on a écrit, effectivement, il peut y avoir rédemption, etc. On peut dire qu'il était jeune. Mais d'abord, on passe pas sa vie à donner des leçons à tout le monde. Et Yann Moix, il passe sa vie à donner des leçons à tout le monde. De morale, de ceci, de ceci, surtout, etc. Dans ces cas-là, on la ferme. Quand on sait qu'on a fait ça, et on sait ce qui est amusant d'ailleurs, ce qu'il a écrit sur Bernard Lévy, et après il a pris la protection, il a mis la protection de Bernard Lévy. Il dit, j'ai rencontré BHL qui m'a évité de devenir l'homme que j'aurais pu être et pourri. Je ne suis pas d'accord avec Rogaïa là-dessus. Je veux dire, quand on écrit des saloperies, on doit, quand Nick Conrad écrit Pendez les Blancs et Tuez les bébés blancs, etc., avec la vidéo qu'il a faite, et ben moi je considère que Yann Moix, comme Nick Conrad compagnie, c'est inadmissible. Et ça, on ne laisse pas passer. Inadmissible et impardonnable. Pour vous, c'est fini. Fin du match. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en prison. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Or, Nick Conrad, il est passé dans tous les médias pour expliquer ce que c'était. Il n'est pas passé dans tous les médias. Il a eu un procès. Il y a une condamnation unanime. Il a été convoqué le lendemain chez le procureur. Une enquête a été ouverte immédiatement. Oui, mais justement... Moi, j'ai jamais vu d'artiste faire l'objet d'une telle condamnation unanime que Nick Conrad. J'ai vu les références qu'il saisissait aussi. Moi, j'ai entendu défendre un propos de manière argumentée avec... En tout cas, après... D'accord. Ah bah si c'est argumenté, j'ai entendu. En tout cas, il a eu un procès. Je veux dire, Nick Conrad, on peut pas... Moi, j'ai entendu personne le défendre. Honnêtement, j'ai entendu personne le défendre. Il est défendu par plusieurs personnes. Ah, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que Yann Moix, c'est la même chose. Ce qui est inadmissible, je le dis, c'est que Yann Moix continue pendant des années à faire des leçons. Moi, j'ai lu ce qu'il a écrit. Honnêtement, c'est Adolf Hitler à côté, c'est un modéré démocrate. Il a écrit des choses terribles, donc j'exagère, mais vous à peine, avez vous aussi le sens de la mesure, en Non, mais c'est inadmissible de donner des leçons. Serge Papin. Je trouve que c'est, j'ai pas d'avis tranché, mais je trouve que c'est une histoire sordide, honnêtement, et ça fait une pub. On ne parle que de ça. Vous vous rendez compte? Pour la rentrée littéraire, c'est efficace. Non, mais voilà. Vous vous rendez compte alors. Ça va pas forcément marcher, hein, parce qu'il peut y avoir une forme de dégoût. Attendez, moi qui arrive de province là. À Paris ce soir et je voyais les thèmes Yann Moix, enfin personne n'en parle, j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression qu'il y a une espèce de d'agitation de, c'est parce ça, que c'est peut-être du parisianisme, non, un peu. J'ai regardé vos tweets, Yann Moix, tout le monde s'en fout. Si quelqu'un n'a toujours pas compris ce qu'était le privilège blanc, voici une illustration parfaite. Et vous avez repensé l'article de Libé. Pour vous, le problème, si Yann Moix s'appelait Mohamed Moix, on aurait vu autre chose derrière ses propos, et je pense qu'il aurait été perçu complètement différemment, qu'on lui aurait associé, adossé une idéologie totalement
différentes. Et je trouve effectivement, moi je repense à Maisie Méclat par exemple, qui est ce jeune journaliste qui était au Bondi Blog, qui est devenu écrivain. Pareil, on avait remonté ses tweets. Voilà. Donc voilà, ses tweets sont remontés, mais il a des tweets qu'il a fait entre 17 et 19 ans. Il a été complètement condamné par tout le monde, des invitations qu'il devait avoir notamment. Justement, dans des émissions de grande écoute, ont été annulées. Et je vois que des personnes qui ont pu le condamner auparavant prennent beaucoup plus de précautions pour juger un comportement totalement condamnable au même registre pour ce qui est de Yann Moix. Et je suis convaincue qu'il y a une perception différente des propos quand on soupçonne des gens d'être adossés à certaines cultures, à certaines idéologies. On va terminer sur un petit tour de table sur Yann Moix. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait l'inviter, Yann Moix ? Est-ce qu'il faut l'entendre ou pas là ? Est-ce que vous avez envie de l'inviter et de l'entendre, vous ? Franchement, non. Moi, non, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. M'intéresse pas. Il a écrit un livre Il a dit ce qu'il avait à dire. En 2006, il a écrit un livre où il racontait sa vie de famille de façon très soft. Moi, je me souviens, j'avais passé une heure d'émission avec lui. Là, maintenant, il leur met le paquet en rajoutant des trucs totalement délirants. On apprend, il se venge avec son frère, se venge avec des caricatures. Ça va, tout a été dit. On a compris, on n'a pas forcément envie d'en parler plus. Rokhaya, on l'invite ? Bah, je pense qu'il a eu quand même largement l'espace pour s'expliquer. Il a quand même fait l'objet d'un article assez conséquent où il a dit qu'il se sentait libéré, ce qui est quand même assez rare. Généralement, quand on est convaincu de propos racistes, on se sent plutôt emprisonné dans ces propos-là que libéré. Donc, moi, j'ai pas envie de l'entendre plus sur ça, très honnêtement. Serge Papin, vous en foutez ? Bien, faut tourner la page. On parle que de ça, non, parlons d'autre chose. On va parler d'autre chose. On va aller faire un petit tour au foot à Lille. Lille-Saint-Etienne avec Hervé Beuck. C'est la mi-temps, je crois, Hervé. Oui, Thomas, exactement. Avec pour l'instant le LOSC qui est devant, 1-0. Le Nigérian Osinem qui avait marqué 2 buts ici contre Nantes, et bien récidivé en marquant 1 ce soir sur un très beau mouvement. Pour l'instant, avantage donc aux Lillois, on le rappelle, dauphin du Paris Saint-Germain l'an passé. Et Lille qui revient à 3 points du Stade Rennais, leader, en attendant bien sûr ce soir le match entre Nice et Marseille. Allez, vous allez à la buvette, nous on fait une petite page de pub et on se retrouve pour le troisième sujet dont refait le monde. On va retourner à l'école et on va ouvrir les livres. Enfin non, on va plutôt allumer les tablette. RTL Soir, on refait le monde. Thomas Soto. Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec Rokhaya Diallo, Nathalie Saint-Cric, Serge Papin, sauf qu'on n'est pas très bien, et André Berkoff. On va parler des tablettes à l'école, parce que figurez-vous que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, va donner environ 140 000 tablettes et 37 000 ordinateurs aux élèves pour la rentrée. Donc en gros, on va remplacer les livres par des tablettes. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 19h. Alors déjà, pour commencer, on a demandé à Michael Stora ce qu'il en pensait. Michael Stora, il est psychologue, psychanalyste, expert du monde numérique. Et on lui a demandé si pour lui c'était une bonne idée ou pas de comme ça donner des tablettes à la place des livres. Lorsque les écrans deviennent des alliés éducatifs ou pédagogiques, en soi c'est toujours une bonne idée, puisque paradoxalement lorsqu'on diabolise par exemple les écrans, on en fait un objet de transgression et de convoitise. On sait que les écrans ont un pouvoir addictif, mais si ce pouvoir addictif sert une bonne cause, qui est celui de la capacité d'attention d'un élève en cours, et c'est une approche plutôt pragmatique, mais si elle sert un idéal pédagogique, en soi, c'est vraiment une bonne idée. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? On remplace les livres par des tablettes, Rokhaya Diallo. Alors, je ne sais pas si c'est un remplacement total, mais c'est... En fait, la tablette en elle-même n'a pas plus de signification qu'un stylo. C'est ce qu'on en fait qui importe. Il y a un rapport qui est hyper intéressant qui a été émis par la Cour des comptes en juillet sur le service public numérique pour l'éducation. Et ce qui est observé, c'est surtout l'objet... En fait, les supports numériques ne sont intéressants que si les profs sont capables de proposer des pédagogies qui sont adaptées. Or, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une lacune de la part des profs de capacité à appréhender des programmes pédagogiques adaptés pour les tablettes. Et on a souvent d'ailleurs des élèves qui sont beaucoup plus sachants. Donc c'est adapter le contenu au contenant, en fait. Plus sachants que les profs dans l'utilisation des tablettes. Donc c'est la formation des enseignants, pour moi, qui est en question. Nathalie Saint-Cric, avec votre papier et votre stylo, là, à l'ancienne. Non, mais c'est exactement... Mais je ne ferai pas le genre, la vieille ringarde, qui dit c'est mal, le livre, c'est bien. Je pense que de toute façon, il n'y a pas forcément le choix. Il faut s'adapter. Bon, pas vraiment, mais je suis obligée de voir ce qui se passe autour de moi. Je pense que c'est de toute façon forcément une nécessité. Après, ce que j'ai trouvé un peu complexe, enfin peut-être pas souhaitable, c'est qu'il n'y ait pas le choix. C'est-à-dire que les enseignants n'aient pas le choix de garder quelquefois des manuels. C'est-à-dire si on fait disparaître totalement de la vie de tous les jeunes, de tous les lycéens, de tous les enfants, la notion même de livre, je pense que c'est problématique. Mais bon, si ça développe des compétences, si on trouve on un autre vecteur... On demande leur avis au lycée quand même. Il y a des votes dans les lycées voilà, qui choisissent. Oui, mais manifestement, ce n'est pas aussi... à l'intérieur des classes, il y a des enseignants qui vont c'est peut-être sûr. Être un peu choqués. Oui. André Berkoff, je vous entends ricaner. Là, les tablettes de la loi. Non, moi, c'est... tablettes gravées. Tout ça me fait rigoler. C'est l'élite qui a... Je vais vous dire, ça, on s'en fout de ça. Je vais vous dire pourquoi on s'en fout. Qu'ils apprennent d'abord l'orthographe.
qu'on n'est pas une génération qui ne sait plus parler français, qui ne sait plus articuler, qui ne sait plus écrire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tablette? Ils sont là, ils font gadget, ils font jouer. Non, c'est pas. Il y a une vraie question. Est-ce qu'on apprend? Est-ce que le cerveau, mais moi, voilà, je ne sais pas, apprend aussi bien sur une tablette? Moi, quand je lis la presse en ligne, je retiens rien. Vous savez qu'il y a une disparition complète de l'orthographe, il y a une disparition complète de la grammaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas les tablettes ou pas les tablettes qui vont arranger. C'est la pédagogie qui s'applique à l'école. Et c'est ça qu'il faut faire. Tablette ou pas tablette. Il y a une étude qui vient de sortir qui te donne raison, André. C'est il y a beaucoup d'inconvénients aux tablettes. Il y a des jeunes sur, y compris, semble-t-il, hein, cette étude, y compris sur au niveau du cerveau, ouais, de l'enregistrement, etc. Et je suis d'accord que l'orthographe aujourd'hui c'est un vrai sujet. Et en même temps, les tablettes, c'est des Américains qui les font. Les livres et les manuels, c'était fait par des Français en France. Je dis ça. Celles-là seront made in China. Celles-ci seront made in China. Mais juste, il y a une autre question quand même. C'est qu'il faut quand même tenir compte de la manière dont les élèves, les enfants sont équipés chez eux. C'est-à-dire qu'avoir une tablette, s'il faut la charger. Non, mais. Il y a des gens qui sont très pauvres, pour qui l'électricité est chère, le fait de pouvoir devoir charger. Hein. Oui, ouais, pas forcément. Ouais. Enfin, moi, je connais des familles qui régulièrement familles qui ont le courant coupé chez eux, n'ont pas d'électricité. Et si les ouvrages ne sont accessibles que de cette manière-là, ça implique des inégalités. Moi, à l'école, je faisais toujours des hors-sujets, donc je vais en faire un pour finir. On a 40 secondes. C'est Valérie Pécresse qui est à l'origine de tout ça. C'est l'avenir de la droite, Valérie Pécresse, ou pas? 10 secondes pour vous, André Bercoff. Alors écoutez, je considère que son avenir derrière elle, mais tout va bien. C'est réglé. Moi, je dirais Xavier Bertrand plutôt. Si tant est que la droite ait un avenir et si tant est qu'il soit complètement à droite. Ok, il y a Diallo. Bah, ça peut être l'avenir de la droite, en tout cas une alternative par rapport à une droite très très dure qu'on a pu entendre ces dernières années. C'est la droite conventionnelle telle qu'elle a existé n'a pas d'avenir, vu de mon bord. Et elle est droite conventionnelle pour vous? D'une certaine manière, oui. Bon, eh ben, elle aura au moins une avocate, ce sera Rokhaya Diallo, ce qui est assez étonnant et paradoxal. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus. Restez avec nous, parce qu'à 19h54, RTL Déjà Demain arrive avec vous, Catherine Boulay. Le principe, un peu de la presse de demain, beaucoup de ce que vous aimeriez y trouver, vous, dans cette presse. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver déjà dans la presse de demain? Vous allez trouver plusieurs portraits de Sylvie Goulard, la nouvelle commissaire européenne française. Et si vous devez choisir d'en lire un, je vous recommande celui de Jean Quatremer dans Libération. Il nous résume évidemment les atouts, les faiblesses de ce choix élyséen, avec beaucoup de finesse et un peu de cruauté. Il nous cite par exemple la liste de ses ennemis, et vous allez voir, il y a des poids lourds. Pierre Moscovici, le commissaire sortant, Sandro Gozzi, l'actuel conseiller d'Edouard Philippe, Guy Verhofstadt, l'ancien président du groupe libéral européen, ou encore François Bayrou. Et l'inventaire n'est pas terminé. Quant à son caractère, à Sylvie Goulard, voici comment Quatremer le résume. Elle est persuadée d'être plus intelligente que tout le monde et surtout n'est fidèle qu'à elle-même. Eh ben, la voilà crucifiée. Qu'est-ce que vous mettriez en une demain alors que là vous l'avez rhabillée, hein? Ah bah dis donc. Alors je vous raconterai cette histoire qui se déroule au Vatican. À la banque du Vatican, celle des évêques, des cardinaux, des prêtres du monde entier. Le problème, c'est que depuis 1942 et sa création par Pie XII, banque et Saint-Siège ne partageaient pas exactement les mêmes valeurs. Placement dans les paradis fiscaux, blanchiment d'argent sale, spoliation des petits actionnaires. Bref, cette banque du Vatican, c'était la grande lessiveuse au cœur de Rome. Et donc, quand il avait pris ses fonctions en 2013, le pape François, il avait promis de faire le ménage et il avait déclaré ça. Comme je voudrais une église pauvre. Et pour les pauvres. Et donc, 6 ans après cette déclaration, c'est chose faite. Depuis aujourd'hui, la Banque du Vatican, elle est devenue transparente avec un commissaire aux comptes qui contrôlera ses bilans financiers. Donc, même s'il essayait, même Jean Quatremer ne devrait plus pouvoir la passer au supplice du portrait. Mais ce serait un beau sujet. RTL Déjà Demain avec vous, Catherine Boulay. Merci beaucoup. Il est 19h56. Dans quelques instants, c'est l'heure du crime avec Jacques Pradel. Vous êtes là, mon cher Jacques, ce soir. À la une de l'heure du crime ce soir, une affaire dont tout le monde a entendu parler en Charente. Après 21 ans de mystère, le meurtre d'une jeune femme de 30 ans, Paquita Parra, retrouvée carbonisée dans sa voiture sur le parking de la Vallée des Eaux Claires à Puy-Moyen, près d'Angoulême, en 1998. Cette affaire, ce mystère sera peut-être résolu dans les prochains mois. Nous revenons ce soir sur l'incroyable rebondissement qui a relancé cette enquête qui était en panne depuis de nombreuses années. Eh ben d'accord, à tout de suite Jacques pour l'heure du crime sur RTL. RTL Soir, on refait le monde. Thomas Soto.